bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle chaîne Twitch. Donc voilà, il y a quelques semaines sur mon compte Instagram, j'avais lancé une cagnotte pour que vous m'aidiez à acheter du matériel pour live et tout. Mais ce que je vous avais pas dit, c'était pour lancer, pour que je lance concrètement ma chaîne Twitch. Donc ça fait depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais aussi ouvert ma chaîne Twitch, sauf que j'avais jamais live dessus parce que je me disais Twitch c'est vraiment un autre monde. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce à ma famille aussi, je tiens à les remercier qui ont contribué à m'acheter mes appareils pour live maintenant. Donc je vous fais cette vidéo pour vous annoncer que à partir de janvier 2022, donc c'est officiel, j'ai fait les réglages et tout. Donc à partir de la première semaine ou la deuxième semaine, je sais plus trop, de janvier 2022, je vais live, pardon, officiellement sur Twitch. Donc que sur Twitch, je tiens à le préciser. Il n'y aura plus de live YouTube, mais comme avant, donc je vais juste live sur Twitch et les best-of sortiront sur YouTube toujours. Donc voilà, donc j'ai tout configuré et tout, donc je vais vous montrer quand même les premiers tests que j'ai fait. Donc en fait cette vidéo c'est pour vous dire qu'en janvier 2022, donc pour vous prévenir que j'ai une nouvelle chaîne Twitch, donc je mettrai bien évidemment le lien de cette chaîne en description et dans un message épinglé, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et tout. Et cette vidéo ça reste quand même une vidéo présentation, je vais vous montrer les modes que j'ai créés sur Twitch, donc à savoir que étant donné que je suis pas pro non plus, j'ai utilisé Twitch Studio pour créer un peu ma chaîne Twitch et tout, mettre les modes pour jouer, modes pour parler et tout. Donc normalement tout est configuré. Donc là vous allez voir vraiment mon premier test Twitch officiellement où je jouais un peu et tout. Sachant que comme je suis passée sur PC Gamer, je me suis donné le défi de jouer à Fortnite sur, avec manette souris, clavier souris pardon. Ce que je n'avais jamais fait et en vrai le résultat n'est pas trop dégueu. Je tiens à préciser aussi que dans la vidéo que je vais vous montrer, j'avais pas encore tous mes appareils. Donc j'avais le PC Gamer portable, donc c'est sur ça que j'avais live et tout. J'avais le casque, clavier, souris et tout. Le seul truc qui me manquait c'était la webcam, donc encore aujourd'hui je ne l'ai pas encore reçu. Mais dès janvier 2022, quand je lance mon premier live Twitch, j'aurai déjà la caméra. Bref, en tout cas, si vous voulez suivre l'évolution de ma chaîne Twitch et voir comment ça le final rend, n'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous sur Twitch dès janvier 2022. Et bref, je vous laisse avec la vidéo. Ok. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier vrai live Twitch test. Donc, j'ai déjà tout configuré normalement. Là, on va vraiment faire notre premier live où on va tout tester dans sa globalité. Donc, nous avons eu le mode début de live qui s'est normalement bien passé avec la musique de fond. Donc là, maintenant, on va lancer Fortnite. On va tout simplement lancer Fortnite pour lancer une game, tester et tout. Alors, vous pouvez le voir donc sur mon truc. Bon, normalement, vous n'êtes pas censé le voir, mais comme je n'ai pas deux écrans, voilà comment ça va se passer. Donc, vous avez vu le premier mode début de live. Donc, c'est ce mode-là où il y a une musique de fond. Donc, voilà le mode pour jouer. Le mode que nous allons utiliser, mais vous inquiétez pas, tout ça là va se supprimer quand on va jouer et tout. Donc il y a le petit mode pause pour voilà, si on a joué depuis trop longtemps et qu'il faut faire une petite pause pipi ou autre, où il faut aller boire, manger et tout. Nous avons ce mode pour parler où vous, comme vous pouvez le voir, il y a la webcam que je n'ai pas encore, mais qui va pas tarder. Donc là il y aura incrusté ma tête et tout, il y aura le chat et tout. Et le mode fin de live, donc encore une fois il y aura une musique de fond et ça annoncera que c'est la fin du live et voilà. Donc voilà, on retourne en mode pour jouer. Fortnite normalement a été lancé. On est là aussi pour regarder comment la fluide, si c'est bien fluide ou pas niveau son, niveau la qualité de l'écran et tout. On va dire redécouvrir tout ça ensemble. Et voilà, Fortnite.
Ok, on va lancer, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc comme je vous disais, c'est un live test Twitch, tout simplement parce que c'est à partir de janvier 2022 que je vais officiellement lancer ma chaîne Twitch, tout simplement. Donc ça me laisse le temps de bien configurer. Si je vous dis que là, ça doit être le sixième live Twitch en une semaine config pour tout configurer et tout, c'est super dur. Le temps de recevoir tout le matériel, la webcam et tout, de tout installer. Ça me laisse un mois pour tout faire et en vrai, c'est bien. Bon. Ok. Ok. En vrai, Believer Beach pour tester et tout, c'est pas le meilleur truc. Hein. C'est pas le meilleur spawn, hein, mais bon. J'ai vu peut-être une ou deux personnes attirées vers la plage, donc en vrai. Bon, je prends quand même de la construire et tout, même si j'y arrive pas encore. Ça sert toujours, on sait jamais. Pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Bon, pendant qu'on y est. Je profite aussi pour demander si vous savez comment installer plein de jeux et tout, genre Call of Duty, je sais pas quel autre jeu j'avais. Ah oui, les jeux aventure PS et tout. Si vous savez comment faire pour les installer sur, alors, R, sur le PC Gamer. C'est un PC Gamer portable. Voilà, pour si ça peut vous aider. Parce que je cherche un peu sur Internet et tout. Et je sais pas du tout comment faire et je suis pas. J'ai pas très en fait. Putain, waouh! Incroyable, incroyable! Le pauvre. Il vient d'acheter, je sais pas quoi. J'arrive, je le tue comme ça. C'est pas ouf. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, voilà, je suis pas très chaude pour acheter des jeux sur PS et sur. Sur le PC quoi. Et je préfère largement acheter sur la PS étant donné que je joue avec mes soeurs et tout. Non, mais attends. À croire que c'est des bots, je les ai achetés pour me donner la game ou quoi? Oh non, j'y ai cru. Il avait 3 PV. Oh non, j'y ai cru fort. Oh non, 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 non. Oh, j'ai la haine, dommage. Non, je ne vais pas relancer. Non, non, mince. C'était juste un test. Voilà. Avancer. Aller à gauche, j'en ai pas forcément mis. Reculer, sprinter et tout. Donc, tirer, ça, je trouve que c'est des bons trucs. Arme 1, 2, 3, ça, je gère vraiment. S'accroupir. Bon, construction, si vous avez d'autres touches à mettre pour la construction. Vraiment, ce serait pas trop mal. Communication, emote et tout, bon en vrai c'est pas des trucs bon ça j'ai carrément mis des V, je sais pas quoi mettre, enfin bref voilà. Voilà donc ça c'était pour tester sur Fortnite. On va sortir de là, je vous montre un peu les jeux que j'ai trouvé. Donc Fortnite, Haven Colony, je sais pas qu'est-ce que c'est comme jeu, mais c'est un jeu qu'on va tester aussi. Quand j'ai lancé réellement ma chaîne Twitch, il y a Minecraft Launcher, je sais pas si c'est bon ou pas. Comme j'ai jamais joué à Minecraft, pardon, autant tester. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait déjà ça d'installé, Xbox. Mais comme je joue jamais sur Xbox, ben, il n'y a aucun jeu que je peux retélécharger. Et comme je vous ai dit, c'est sur PS. Et j'aimerais bien quand même avoir mes jeux de PS sur la. Sur le PC Gamer, donc si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire. J'ai installé Epic Gamer pour Fortnite, bien sûr. Et voilà, donc si vous savez comment installer Call of Duty et tout, je suis preneuse parce que j'ai très envie. Yo, mon ami, hey! Ah, salut Roland. Roland. Oh, désolé, je t'avais pas vu. Quand, oh, et c'est ça aussi le problème, j'ai pas de retour caméra. Enfin, si sur mon téléphone, mais j'ai pas pensé le faire. Et bref, on se retrouve dans un prochain live Twitch test, dans un prochain live YouTube, toujours, dans une prochaine vidéo, et bref, bisous les amis. Bon,
et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas comment ça va réellement rendre, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Comme ça, s'il y a des trucs encore à modifier tout. Donc là, c'était vraiment le premier essai. Donc bien évidemment, entre-temps, il y a des trucs qui ont changé et tout. Mais si vous avez des recommandations et tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour si vous avez des conseils et tout avant de lancer officiellement. Et voilà. Voilà, donc rendez-vous sur Twitch en janvier 2022. De toute manière, le programme a déjà été fait. Tout est prêt, voilà. Vraiment, tout est prêt. J'attends juste la webcam pour tout configurer. Et ça lance. Le seul truc, c'est que je n'ai pas encore de vrai setup, qui veut dire que je n'ai pas encore de décor de fond et tout. Mais ça, c'est un truc qui arrivera en 2022 et tout au fur et à mesure. Et bref, je vous retrouve sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Bisous les amis.